on se projette dans le continent africain en 2050. Et quels sont les défis? Il s'agit de loger, il s'agit de soigner, il s'agit de transporter une population qui va être très très urbanisée, de plus en plus urbanisée. C'est-à-dire qu'il faut transformer les villes existantes, il faut créer des nouvelles villes et il faut trouver des solutions pour cela. Nous pensons que nous avons un dialogue à avoir sur ces sujets-là, aussi bien au niveau des décideurs politiques que des acteurs économiques de cette transformation. Des entreprises, par exemple, des entreprises françaises, qui elles-mêmes, les villes françaises se sont transformées. C'est pour ça que le sommet est à Bordeaux, une ville qui s'est beaucoup transformée. Et il y a des partenariats à créer. Et le Maroc est très bien placé, parce que le Maroc aussi crée de nouvelles villes, change certains quartiers, a des entreprises qui sont présentes dans tout le continent africain. Donc, on se projette vers l'avenir dans ce sommet pour essayer de trouver les solutions. La question des villes, c'est aussi la question des citoyens, de chaque citoyen. Et il y a des initiatives tout à fait petites qui peuvent être trouvées à l'échelle d'une association, d'une start-up, de quelques personnes qui ont une idée innovante. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est ouvert à l'ensemble de la société civile. Quelles sont vos attentes de ce sommet ? Eh bien, on espère qu'à l'issue de ce sommet, on aura créé de nouveaux ponts entre notre pays, la France, les pays africains, mais aussi des ponts entre pays africains eux-mêmes. Pourquoi pas ? Ce sommet, c'est l'occasion, par exemple, pour des entreprises marocaines de faire de nouveaux contacts avec des entreprises de pays africains et tisser les liens. Ce sommet s'inscrit effectivement dans la volonté de montrer ou de faire émerger de nouveaux partenariats économiques entre la France et les pays africains. Le choix de ce sujet, donc la ville et les territoires durables, s'inscrit dans cette démarche de faire émerger des projets co-construits entre l'Afrique et la France. L'objectif étant à la fois de développer de nouvelles relations, mettre en place, ce sera un sommet du concret, mettre en place des projets sur les différentes thématiques que j'ai énoncées, que le service a énoncé tout à l'heure, qui seront au cœur de ce sommet, toutes les thématiques liées à la ville durable. Dans l'objectif d'être dans une logique de co-construction de projets et de partenariats entre les entreprises de France et d'Afrique, les acteurs publics de France et d'Afrique, la société civile et avec bien sûr la communauté financière qui s'intéresse à financer des projets sur ce continent. Le Maroc est souvent considéré comme un hub. Tout à fait. Comme j'expliquais tout à l'heure, effectivement, la volonté, c'est aussi c'est un sommet de la France avec l'Afrique, mais c'est aussi un sommet, une opportunité pour différents pays africains, leur secteur privé, mais aussi pour les politiques publiques qui sont mises en place, c'est d'être montré au reste du continent. Donc le Maroc, à cet égard, est effectivement, comme vous le dites, un hub. Nous espérons pouvoir monter en amont et pendant ce sommet, et surtout après ce sommet, puisque l'idée, c'est de ne pas être juste sur un coup, mais que ce sommet soit le départ, le début de quelque chose, que des partenariats s'établissent entre des acteurs français et marocains pour des projets sur le reste du continent. Là, on est absolument persuadé que de la place importante du Maroc dans ce contexte-là.